Nous voici sur le biais supérieur du Lualaba, de Kongolo à Bukama, point extrême de la navigation, régnait sur ce tronçon de 640 km une intense activité jusqu'à la moitié des années 50. Mais un nouveau tracé ferroviaire de 445 km, beaucoup plus rapide, répondant à des besoins stratégiques et économiques, allait tout changer. Car la jonction ferroviaire entre le BCK et la Compagnie des Grands Lacs, reliant Kamina à Kabalo, en passant le fleuve près de Kabalo par le pont route-rail de Zofu, long de 750 mètres, allait s'imposer. Nous reconnaissons ici des vues lors de sa construction qui devait s'achever en avril 1956. Ce va-et-vient incessant, ce trafic devenu plus rentable, allait quelque peu nous ôter ce charme de la navigation sur le Lualaba supérieur, si pittoresque au milieu d'un décor paradisiaque et sauvage serpentant dans la savane, les plaines giboyeuses de Lupemba, se frayant un passage dans les chenaux à travers les marécages et papyrus du lac Kisalé. C'est ici, à Bukama, à quelques 660 km de sa source, que le fleuve devient navigable. C'est ici aussi que ce port de transit entre le Katanga et le Kasaï, dont l'outillage depuis sa création s'était fortement modernisé, accueillit pour la première fois, au mois de mars 1911, le Baron Janssens, Sternmiller de 125 tonnes, commandé par le capitaine Moritzen. L'ouverture de cette voie de communication, après de nombreux travaux d'aménagement du bief, permirent aux marchandises auparavant portées à Dodom d'arriver à Bukama plus rapidement, supprimant les dures contraintes humaines. Cela seul justifiait déjà les efforts qui avaient été si tenacement prodigués. Après le chargement de bois destiné à la chauffe, le chargement à bord des allèges fin prêt, le convoi du char Librex est prêt au départ. En moins d'une semaine, il atteindra Kongolo, via Kabalo, où le rail nous mènera par la suite sur les bords du lac Tanganyika. Yo yo le 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 yo yo le 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 le
Caballo, port fluvial et gare de jonction vers Albertville, vous est montré ici sous son aspect vieillot du début des années 50. L'infrastructure sera complètement modifiée suite aux travaux de la jonction ferroviaire. Navigation fluviale, également reliée par rail vers Caballo fin 1939, allait supprimer les deux transbordements sur une distance inférieure à 80 km, permirent de gagner au moins deux jours sur la ligne reliant Kindu à Albertville. Kongolo était également un poste où l'on avait centralisé les ateliers d'entretien du matériel roulant et naval. Depuis son origine, la principale difficulté de la navigation sur le Lualaba supérieur, pour le navigateur, a toujours été déterminée par la dérive des îlots de papyrus en période d'étiage. Cette végétation, fixée dans la vase, devient flottante au moment des crues. Entraînée par les courants et au gré des vents, obstrue les chenaux. Les premiers travaux d'aménagement se focalisèrent sur ce problème et furent en partie résolus par des barrages de protection réalisés au moyen de ducs d'Albe en tronc de Borassus. Mais, comme vont le montrer les images qui suivent, la nature a ses caprices et, tout à la fin des années 50, une montée exceptionnelle des eaux mirent à mal toutes les protections envisagées par les voies navigables. L'armée, appelé à la rescousse pour prêter main forte, employa la dynamite. Mais les charges n'eurent que l'effet d'un pétard. Le voyage en wagon-lit, tout confort, n'avait rien à envier à ceux de l'Europe. Bien au contraire, sur un parcours tout en couleurs locales, pimenté d'anecdotes dont seuls les anciens ont le secret pour le raconter, agrémente cette traversée à travers la forêt et la brousse congolaise, longeant la vallée de la Lukuga, déversoir du Tanganyika, et des plus pittoresques offrant aux voyageurs des images inoubliables. Campo, 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 campo
binu kanisobo sili mono tente kampo kampo tema kadinu kadiyaba kaka kane bakamba kampo na tema kadinu rina mulala katemi kapya wilema mulala katemi kapya paul mulala katemi kapya fredi mulala katemi kapya mi frank mulala katemi kapya bert mulala katemi kapya hugo mulala katemi kapya ani mulala katemi kapya anu kampo na kampo na tema kapya anu kampo na kampo na tema kapya kadi tumpe kuno tafatani kampo kampo na tema kadinu kadi sobo sibi mono tente kampo na tema kadinu kadi yaba kaka ne bakamba kampo na tema kadinu kadi tumpe kuno tafatani kampo na tema kadinu kadi sobo sibi mono tente kampo na Enfin, après une large courbe, les premières maisons de la ville. Et puis, la traversée de celle-ci, bordée à droite par l'avenue Storm, au pied des collines, et sur la gauche, la cité des travailleurs, longeant la rive du lac, que l'on devine enfin, et cela n'échappe à personne. L'édification d'Albertville ne prit effectivement son essor qu'après la guerre, 14-18. D'année en année, elle se transforma en une charmante ville, une perle sur la côte toute maritime du majestueux Tanganyika. Remontant vers la colline Eta, enjambant la Calémier, contournant sur son promontoire l'église Saint-Albert et Victor, dans un décorum tout en fleurs, s'ouvre un superbe panorama sur les eaux bleues du lac. Parmi les édifices, l'hôpital, tout en longueur, nous invite. Débouchant à l'arrière de celui-ci, nous sommes plongés dans un ravissement de couleurs et d'ombres, où deux pièces d'artillerie, vestiges de la campagne de l'Est africain, pointent leurs canons sur l'horizon. Continuant notre ascension sur un point culminant de la colline, le pensionnat Regina Pachis s'étale sur trois plateaux. Enfin et encore, toujours ce panorama sur le port. De l'autre côté de la Calémier, la colline CFL, non moins pittoresque. Au sommet de celle-ci, le bassin de natation, où s'offre à nous toujours ce panorama sur les eaux bleues du lac, s'étendant au-delà de l'Alcuga jusqu'à la pointe de Buanandengue, appelée aussi la pointe du Croco.
pied de cette même colline, nous nous engageons sur l'interminable avenue Storms bordée de cocotiers tout au long du quartier commercial européen, prolongé par le quartier asiatique. Makanda mubidi nenda mwa shekereka. Kuzele pali baja kutubo we, kazena pali kwela minye uto. Ewalu tusanga e tutantungu, ewalu tusanga e tutantungu. Dibadi tudiedi, katwena mwa kula latunu. Nous débouchons ensuite sur le quartier Mission, avec l'église du Christ III et la mission des Pères Blancs. En face, un chemin sablonneux nous conduit sur les rivages du lac, où journellement les pêcheurs s'affairent. La baignade est rendue dangereuse, gare aux redoutables crocos qui rôdent, dont voici d'ailleurs un spécimen abattu la nuit même. Tout au long de cette longue avenue, nous aboutissons enfin sur le pont de la Lukuga. Nous voilà maintenant dans le domaine de la CFL, dans le prolongement de la gare, des installations portuaires. Les ateliers, la cale sèche, le pier et son entrepôt nous laissent deviner l'importance de son trafic. Les jours de repos, cet espace devient le domaine des pêcheurs. À chaque arrivée ou départ des bateaux, les quais sont envahis par les curieux, ou tout simplement un mari venait accueillir son épouse ou conduire un membre de sa famille. Comme il se doit, les autorités de l'immigration font leur job. Thank you.
Les bateaux, en partance aussi bien pour le Nord-Lac que le Sud-Lac, quittent Albertville en fin d'après-midi. La traversée, par exemple, vers l'escale de Kigoma, en actuelle Tanzanie, s'effectuera de nuit. Head for the farthest shore. Songbird, make your tune. Or none may sing it just as you do. And make your song be heard. Caught on the wind's lazy tide, sweetly how it sings. Rally each heart at the sight of your silver wings. Skybird, skybird. Le remorquage est pratiqué sur le lac Tanganyika. La traîne, composée en général de 4 à 5 allèges, peut parfois s'élever jusqu'à 7, 8, 9 unités et représente alors une longueur de 1500 mètres. Nous retrouvons à Kigoma tous les vestiges de l'occupation allemande, dont le navire Graf von Gotzen, rebaptisé par les Anglais Liemba, lorsque l'Est-Africain leur fut attribué après la Première Guerre mondiale. Ainsi d'ailleurs que la ligne de chemin de fer passant par Tabora jusque Dar es Salaam sur l'océan Indien. La Belgique, exploitant les lignes commerciales de navigation, reçut une concession, la Belle Base, dans le beau décor de cette baie de Kigoma, à l'abri de tous les vents. La navigation proprement dite ne pose pas de difficultés particulières. Cependant, le navigateur peut être confronté, à certains moments, aux éléments de la nature, rendant les manœuvres délicates à l'entrée et sortie de certains ports, tels celui de Kalundu. Au moindre vent, l'accostage de Kalundu, avec une remorque, est rendu des plus périlleuses. Elle ne tient qu'à la maîtrise et l'expérience du navigateur, qui seul reste juge des risques de sa manœuvre. Would become the stone which begat the spark, turned to living bone. Holy, holy. Santo, Santo. As a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent. And the one God will make for your way.
En quittant Kalundu, le voyage continue par une traversée d'une trentaine de kilomètres pour atteindre Uzumbura dans la matinée. Ce port difficile d'accès par gros temps fut aménagé en un port moderne et bien protégé des vents dominants. Albertville s'effectuera outre l'escale de Kigoma par une halte dans la baie de Kabimba où la cimenterie Cimental est installée depuis 1953 à quelques kilomètres de Mtoa, à proximité d'un archipel composé entre autres des îles Kibiché et Kavala. Nous traverserons ce petit paradis avant de rejoindre notre port d'attache, Albertville. Tous les 15 jours, le Sud-Lac était desservi par un courrier à destination de Moba. Moba qui est le port de Baudouinville, d'où sont acheminés tous les produits provenant des Marungu. Mission et un séminaire. De Baudouinville, on redescend vers la cité de Moba, habitée par quelques colons, transporteurs et commerçants, par une route escarpée de 4 km. En matinée, nous appareillons de Moba et le retour vers Albertville s'effectuera par une halte en rade de Mpala face à la mission, le temps de quelques transbordements et d'échanges du courrier. Avant de quitter Albertville, il serait impardonnable de ne pas évoquer deux événements importants. L'un en 1955, l'opération Grand Écart. Travaux d'écartement des rails à la mesure métrique devaient passer à 1,67 m. L'opération s'accomplit. Tout au long des 800 km du réseau, sans compter le matériel roulant qui devait lui aussi s'adapter aux nouvelles mesures,
s'accomplit en 6 jours et demi au lieu de 10 prévus initialement. L'autre événement se situe en 1958. La reine Elisabeth fut accueillie dans la cité afin d'inaugurer le monument du roi Albert, son époux. C'est dans la liesse populaire qu'elle se rendit ensuite au camp Jacques, autre lieu historique de la création d'Albertville. C'est par train courrier que nous quittons Albertville pour Kindou-Port-en-Pin dans le Maniema, en pleine cuvette congolaise. Traverserons cette fois le Lualaba de Porte-d'Enfer, non loin de Kongolo. Moyen du Lualaba, où le buste du baron Empin semble dominer son empire. Nous nous retrouvons ici, dans cette cité portuaire, au début des années 50. C'est à bord d'un remorqueur du bief moyen, le Prince Charles, que nous descendrons le fleuve. Pasteur a croyé, Padre, et sa faute à l'amour.
Voyage de 310 km jusque Pontierville, qu'accomplit le roi Léopold III et son épouse Liliane de Réty en 1957 à bord du Baron d'Elbeck. Nous gardons ici un témoignage. L'accueil fut de la part de la population en liesse, comme ici à Elila, des plus chaleureux. Le baron Van Etfeld, appelé la mascotte, qui fut le premier bateau de la CFL à remonter le Lualaba de Pontierville à travers les passes rocheuses à peine balisées jusque Kindu en 1906. Pontierville, sa gare, son port, quelques vues de la cité au pied des premières cataractes. Tout a bien changé si l'on se reporte au début du siècle, où le chemin de fer n'aboutit ici qu'en 1906 et inauguré le 1er septembre.
Il nous reste à parcourir 125 km. Voyage que nous effectuerons en 10 heures sur le premier tracé de chemin de fer du CFL. En passant par la ligne de l'équateur, le kilomètre 25, avant d'aboutir sur la rive gauche de Stanleyville. Nous terminerons notre histoire là où tout a débuté, en aval de la 7e cataracte. Mais avant de quitter le pays des pêcheurs Wagenia, imprégnons-nous une dernière fois de cette Afrique profonde, terre d'eau vive, où tout se marchande, où tout se vit maintenant au jour le jour, avec toutes ses richesses, le soleil en plus. Magique autour de toi. D'accord? Voilà. Les soldats mesuraient 1,53 m. Vous voyez, mais. Et bien voilà un soldat il y a 300 ans. C'était la taille des soldats il y a 300 ans. Mais il faut imaginer beaucoup plus avec ça, avec un gros sac à dos, bien lourd aussi. Ils sont mousqués. Une marche qui a plus de 2 mètres de hauteur. D'accord? Attention, il y a une autre voiture, attention là. Et tu verras un mousquetaire et tu verras tout ce qu'il avait. Et encore là, il n'a pas le sac à dos. Tu verras tout ce qu'il avait. Et pendant ce temps-là, je tiens dessus. Oui, si vous vous ratez. Oh, la voiture. Et là-haut, n'oublie pas que tu as 1200 qui te tirent sur toi. C'est une rage. Ouais, il faut aller. Je peux pas rentrer et sortir de mon refrain. Alors, barrière. Non, ne fais pas ça parce qu'il y a des voitures qui arrivent là-bas. Alors, ce passage, messieurs, il ne fallait pas que le nid puisse passer par là. Alors, la première chose qu'on leur permet, ne bougez pas, vous.